Ce soir, on va faire un petit dessin avec des animaux un peu amusants, colorés. Donc, je vais réaliser une petite composition avec des chats colorés, comme je disais, sous forme de doodle. Et en fait, là, ce que je vais utiliser, c'est du pastel, des Posca et peut-être le crayon. Donc voilà, alors moi j'ai fait ça sur un album, normalement avec des feuilles noires. Et comme je voyais que les spirales me dérangeaient un peu, donc je les ai retirées une à une. Enfin il y a moyen, parce que bon, si on tourne la spirale, on sait retirer les feuilles. Et on garde les trous intacts pour nous servir d'une petite astuce. Et alors voilà, si vous réalisez ce dessin-là, vous pouvez ensuite l'utiliser comme un petit cadre que vous pouvez accrocher à votre cuisine et qui donnera un petit côté fun, amusant et plaisant et voilà, et décoratif. Donc c'est juste une petite ficelle que j'ai dû faire passer. Bon, là, ça zoome très fort, je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est trop sombre. Donc voilà, j'ai fait passer entre les trous. Et j'ai fixé avec de l'autocollant, du scotch. Et voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose d'amusant chez soi, à moindre coût, qu'avec des pastels et des crayons de couleur. Donc alors, ce dessin de chat est un dessin stylisé. Hein, un dessin stylisé, ça veut dire que c'est un dessin qui réduit au maximum les détails. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais réaliser sous vos yeux. Une composition autre que celle-ci. Donc je vais passer à l'étape première, qui est, moi j'ai décidé de faire une composition un peu, on va dire, nocturne, des chats sur une lune. Donc alors, comme je n'ai pas envie de vous compliquer la tâche à vous dessiner une lune et que j'aimerais que vous puissiez reproduire le même effet, le même dessin si vous voulez, sans trop me copier. Alors moi je vous propose de tout simplement de poser une assiette ou qu'importe, une forme circulaire. Et alors ma lune, moi je vais la poser un peu vers le haut. Voilà, je laisse un petit espace entre les bords et je vais tracer en premier lieu juste la moitié de mon cercle. Pour l'instant vous verrez rien parce que le crayon n'est pas très très gras, donc c'est juste pour avoir la forme de la lune. Et alors je vais repasser par dessus avec un Posca. Il faut secouer pour que l'encre qui est à l'intérieur puisse sortir sans problème, sans dégouliner. En fait ça c'est pas de l'encre, mais pardon, c'est de la peinture acrylique, et il y a aussi avec de la gouache. Alors je vais reproduire le contour de ma lune. Et alors ce que je vais faire, comme vous ne voyez pas, donc je vais le mettre en blanc, comme ça vous le verrez mieux. Pour l'instant je ne vais pas retracer la lune parce que je vais dessiner par-dessus les chats. Alors mes chats vont être d'une simplicité. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les têtes. Alors je vais en faire deux. Et alors, je dessine des oreilles. Des pattes. Et alors, juste la queue. Le but n'est pas de faire un dessin excellent, c'est surtout
faire une jolie composition simple et surtout amusante. Donc voilà, j'ai dessiné mes chats. Bah, c'est un truc naïf. Alors je suis debout et c'est pas toujours évident. Alors cette technique, ce qui est chouette, c'est qu'on peut, mélanger les procédés, c'est-à-dire l'aquarelle, la gouache, le pastel. Comme c'est un fond noir, donc au plus on utilisera les couleurs chaudes et les couleurs contrastées, au plus ça donnera un effet lumineux. Hein. Ça fait un peu comme fluo, mais ce ne sont pas des couleurs fluo, c'est juste du pastel. Alors là, je vais ajouter un nuage. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Ici, je vais doubler mon trait, donc après je vais faire des motifs. C'est un doodle. Alors, j'expliquais l'autre fois qu'un doodle, hein, doodle ou doodle, ça se prononce comme on veut. C'est une manière de déstresser, en fait. C'est très thérapeutique. Si vous connaissez les bienfaits des doodles, c'est que, voilà... autant si vous pouvez le faire pendant que vous êtes dans une salle d'attente ou chez vous même au travail, si vous gribouillez, c'est pas vraiment du gribouillage, c'est une méthode de s'évader pendant un petit instant pour déstresser et pour reprendre sa concentration. Donc les doodles, c'est une méthode pour faire stimuler un petit peu notre imagination. Alors là, je vais représenter mes chats avec une couleur un peu spéciale en vert. Là, ce que je vais faire, je vais juste passer sur les contours, en dessous des contours, en dessous du blanc, et juste en fait, je suis en train de cerner la silhouette, tout simplement. Et alors, on peut après intervenir avec un vert encore plus clair pour créer une sorte de dégradé légèrement. Et on s'arrête là. On n'a pas besoin de tout remplir. Et alors, on fait les oreilles aussi. Donc, je fais aussi pareil pour celui qui est à côté. Je vais peut-être le faire en rose. Ou en rouge, comme ça on crée le contraste, comme c'est deux couleurs complémentaires. Alors, pareil, je souligne les contours. Alors, qu'importe que je fasse trois pattes ou quatre pattes, le but n'est pas de faire un dessin parfait, le but est juste de créer une jolie composition naïve. Attendez, je vais diminuer un peu la musique. Je ne m'entendais plus. Le but est de faire une composition naïve et amusante et très colorée. C'est surtout ça le charme de ce dessin. On n'est pas dans le détail, on est surtout dans les couleurs qu'on va créer. Alors, ensuite, je vais repasser avec le blanc pour faire ressortir la silhouette. Le petit chaton fainéant, je vais le colorier en rose. Donc vous voyez, le pastel, il adhère très très bien, il me donne un effet, déjà le pastel il me donne cet effet de dégradé sans que je puisse intervenir avec l'estompe. Voilà, je vais juste en dessous du trait blanc. Alors ici, je peux déjà colorier avec un bleu légèrement clair. Et alors avec du blanc. Avec du blanc, je fais ressortir le volume
du nuage. Et alors, là par contre, je vais devoir créer des motifs à l'intérieur. Alors je fais n'importe quoi, je crée ce que je veux, il n'y a pas d'exigence. Alors là, je vais ajouter des petits points. Alors, ensuite, je vais ajouter un peu de fantaisie. Alors voilà, si j'ai envie de continuer encore davantage. Alors là, je vais peut-être encore ajouter un autre petit nuage. Et un autre. Ok, donc voilà ce qu'il en est de la composition des petits chats. Vous pouvez faire la même chose chez vous. Faites des petites mises en scène comme ça, des chats sur des toits, des chats accrochés à une lune. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tuto beaucoup plus sérieux. Bon, c'est sérieux ça aussi, hein, parce que ça détend, ça fait plaisir. Mais voilà, ça reste, comment on va dire, ça très simple et stylisé. Bye bye. Et merci d'être là.